Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Un nouvel épisode que j'ai voulu faire assez rapidement suite à la dernière mise à jour de la Snapshot et de l'apparition de cette arme, donc la masse, dont j'avais récupéré qu'une seule partie lors de ma dernière vidéo. Et bah, je dois vous avouer que j'ai bien galéré. J'ai passé énormément de temps avant de pouvoir dire que ça y est, je l'avais, le Heavy Core. Donc maintenant, on va remonter rapidement au village et on va s'occuper de ça. Allez, go. Oui, j'ai bien galéré. Dans le jeu, je suis eh ben, maintenant arrivé hop là, au 269e jour. Et bah, si vous vous souvenez bien, ou si vous regardez à nouveau la dernière vidéo, j'étais au jour 247. Ouais, presque 22 jours avant de trouver. Enfin, c'est voilà, très compliqué. La libération de ce Heavy Core n'est pas si simple que ça. Et je sais pas s'il y a un pourcentage, j'ai pas trouvé sur internet encore d'éléments à ce sujet-là, mais franchement, c'est pas évident. Ça... Voilà, sauf que maintenant, c'est fait. J'ai un max de clés comme vous pouvez le voir. Très content. Et ces clés, une de ces clés m'a permis d'ouvrir le coffre. Ouf! Où j'ai trouvé ce dernier élément indispensable pour fabriquer la masse. Alors, direction le village maintenant. Et hop. Et ben voilà. La masse est enfin réalisable. J'en suis super content. Waouh! Alors, ça donne quoi? Ah, c'est pas très. Ok. Il va falloir que je me trouve des ennemis. Alors, d'après ce que j'ai lu, elle ne serait pas enchantable. On va quand même vérifier, hein. Non, donc effectivement, pour ça. C'est pas la peine. Bon. Eh bien, c'est quand même pas si mal que ça. Qu'est-ce qu'il va falloir? Bah si, je sais. On va aller faire un petit tour par là-bas. Alors, au niveau des animaux, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de loups qui n'ont plus d'armure. Parce que bah, en fait ils sont très très utiles pour aller se battre à ma place face à des adversaires. Et par contre ils prennent cher. J'ai affronté quand même pas mal de squelettes, différents types de squelettes, avec des spawners pour tous les types de squelettes qui existent. Avec le nouveau hein, bien entendu. Et je crois que j'ai pas perdu un seul loup. J'ai dû perdre un ou deux chats. Les loups, eux, sont restés. Alors les amis, on va essayer de les attirer et puis on va essayer de se faire un petit test. Ah si c'est bon, je me disais ils me suivent pas. Si si, ils suivent. Hop. Non. Voilà, comme ça, ils rentreront pas. Et nous, on va pouvoir se faire une petite descente. Alors, j'ai pas récupéré grand-chose. J'ai plus beaucoup de bouffe. Mais on va se mettre bien. Et on va se préparer. Voilà, ils sont là. Alors, est-ce que je peux attirer ceux qui sont là-bas derrière? Non, ça l'attire pas. Quel débile. Là, il y en a un.
toujours là. Un deuxième, très bien. Oui, parce que tant qu'à faire, autant que ça soit rigolo avec... voilà, lui il me voit. Peut-être éviter de se faire tirer dessus. Donc ça c'est bon, ça marche. Oh bah raté. Alors d'après ce que j'ai vu, il faut vraiment tomber bien dessus. Bah, ils sont où? Allez, en voilà un. Bon, dans ce sens-là, ça marche pas super. Ah, la durabilité est pas extraordinaire non plus. C'est pas génial. Bon, lisez-la. Mais ils sont où, là? Moi, j'en reviens pas pour une fois que j'ai besoin d'eux. Allez! Oh, c'est pas vrai, ça. Eh oh, où êtes-vous? Je suis deg. Y a personne. Si, en voilà un là-bas. Mais un, c'est quoi Voilà, il a armé son arbalète et maintenant il va me tirer dessus. Ouais, bon. Qu'est-ce qu'on fait? On attire celui-là aussi et on va essayer de le faire de plus haut. Parce que donc, plus on tombe de haut, plus on va lui faire de dégâts. Ah, je peux pas tomber d'ici. Donc il faut que je tombe d'ici. Aïe! Je vais mourir. Ah, oh, mais quel noob. Il est où? Je sais même pas où il est. Je l'entends grogner, mais je le vois pas. Alors là, là. Je l'ai raté. En même temps, si j'essaye de faire... le clic qu'il faut pas... je me plante à chaque fois, je fais un clic droit au lieu de faire un clic gauche, donc... allez, on se retente un dernier coup. Clic gauche. Peut-être. Peut-être pas. Mais sérieux, ils sont où? Ah, je devrais mettre le feu à leur machin. Bon bah tant pis hein. Oui, je suis un peu déçu hein, franchement, non seulement parce que j'arrive pas à ramener quoi, je viens de me blesser en sautant, en tombant. Ouais, de toute façon ça va être ma... alors ouais, bof. Sérieusement, pour l'instant, c'est pas du tout l'arme que j'imaginais. Allez, on va essayer de faire un truc comme ça. Voilà. On va attendre qu'il soit deux.
Voilà, je saute et je frappe. Ah oui, on a entendu le bruit. On a entendu le petit bruit. Mais franchement, oh mais non, et oh. Franchement, je suis pas super enthousiaste. J'ai réussi à le faire. J'ai réussi à avoir cette masse cette fois-ci. C'est réussi, mais bon, ça va pas être l'arme de prédilection pour ma part. En même temps, vous l'avez compris, moi et le corps à corps, c'est pas tout à fait la bonne chose. Allez, on se fait une petite capture d'écran avec donc cette nouvelle arme entre les mains. Les chiens, les loups, si vous pouviez vous barrer, ça serait pas plus mal. Alors. Voilà. Bien, je pense que je vais la ranger par ici avec mes jolis bâtons. Mes Breeze Rod pour réparer, semble-t-il. Et on verra si elle me sera utile ou pas. Pour l'instant, je dois vous avouer que non, je ne pense pas. Et bien voilà, c'était une toute petite vidéo. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemblait en réalité et en mode hardcore, sans aller chercher en mode survie quoi que ce soit. J'ai réussi à faire la masse. Maintenant, prochain objectif, et je dois vous avouer que j'ai déjà commencé à chercher. Je veux trouver d'autres races, d'autres variétés, mais plutôt, on va dire, plutôt des races de loups dans les différents biomes. Et je peux vous annoncer que j'ai déjà commencé à chercher et c'est franchement pas évident. Donc, il y a du boulot et donc il y a encore de quoi faire dans les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut!